Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maurice Lebranchu, administrateur de la Fédération nationale de pêche en France. Alors si comme des millions de Français, vous aimez partir à la pêche, sachez que l'on ne peut pas aller où l'on souhaite. En effet, il y a quelques restrictions. Mais où peut-on pêcher? Pour cela, Maurice vous donne tous ses conseils. Regardez bien. Lorsque vous avez fait l'acquisition de votre carte de pêche, ça vous donne le droit de pêcher dans un certain nombre d'endroits. Surtout le domaine public d'abord, avec une canne, partout en France. Ensuite, sur les lots des associations de pêche qui vous ont délivré la carte de pêche. Donc ça peut être quelque chose de très local, les associations ont des tailles très très différentes en superficie et en nombre d'adhérents. Il faut se renseigner localement pour savoir. Et puis il y a aujourd'hui beaucoup de systèmes de réciprocité qui existent, c'est-à-dire que les associations entre elles ont conclu des accords qui permettent aux pêcheurs, moyennant un supplément relativement modeste, de passer d'une association à l'autre, voire d'un département à l'autre. Et aujourd'hui, avec un timbre supplémentaire unique de 20 euros, on peut pêcher sur plus de 70 départements en France. Donc ça facilite une pêche un petit peu vagabonde qui correspond bien au tempérament du touriste aujourd'hui qui est de changer de place. Et cette facilité-là, la pêche l'offre maintenant avec ses systèmes de réciprocité. Alors il y a aussi bien sûr des autorisations qu'on peut obtenir chez des particuliers pour pêcher. Mais globalement, le système associatif offre aujourd'hui un domaine de pêche tout à fait magnifique. D'abord, en qualité, il faut savoir que le domaine halieutique français est un des plus beaux d'Europe. Et puis, également, un domaine en surface qui est immense. Et donc, qui permet à chacun de pêcher partout, là où il a envie, en fonction de ses vacances et de ses déplacements. Grâce au système réciprocitaire, on peut, par exemple, acheter son permis sur son lieu de domicile, on va dire en Seine-et-Marne, partir en vacances en Bretagne et puis faire l'ouverture de la pêche sur un lac magnifique comme celui de Guerre-les-Dents, très riche en poissons, n'est-ce pas, sur la Fédération de pêche des Côtes d'Armor. Ça, c'est la réciprocité et ça permet à chacun d'être libre. Et si en plus on peut acheter sa carte sur Internet le soir chez soi tranquillement, eh bien on est un pêcheur comblé et heureux.